Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est vrai que toutes les entreprises n'ont pas la chance de voir les logos dans mes vidéos, mais celle-là, c'est une entreprise que je porte dans mon cœur parce que j'en suis un ancien employé, SFMBH, voilà, leader de l'architecture événementielle. Ça, au passage, ça faut le retenir. Donc, je peux me permettre de porter le t-shirt et faire cette vidéo-là. Bref, là n'est pas la question. Si je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai envie de dire trois petites choses. Vous avez bien vu le titre. Il y a une prétendue arnaque autour des obsèques de Didier Arafat. On va en parler. Et puis, il y a des vérités aussi à dire sur le discours de Didier Arafat. C'est bien beau de rester dans son salon ou je ne sais où pour critiquer ou insulter, mais il est bien aussi de vraiment, vraiment se bouger. Parce que être fanatisme, ce n'est pas seulement dans les écritures. Ce n'est pas seulement en faisant des vidéos. Voilà. J'espère que je suis clair. Parce que je serai encore plus clair après le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des virements. Chers abonnés, chers amis, apprenons à se respecter. C'est très important. Je le dis tantôt dans toutes mes vidéos, nous sommes tous peinés par la perte de ce monument-là, qui est Didier Arafat. Moi-même là, mais je finis pas de pleurer. Moi-même là, mais je finis pas d'avoir mal. J'ai très mal. Et je continue d'avoir mal. Et je me demande comment, par quelle magie je vais faire pour oublier cette douleur-là, pour panser cette plaie-là. Mais en même temps, on n'a qu'à apprendre à se respecter. S'il y a bien quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vient démentir, en tout cas, j'en fais partie. Je ne suis pas le seul, mais j'en fais partie. Qui vient démentir des mensonges ou bien des rumeurs, là. Je pense que Erito aussi, chose, oh, il participe. Donc avant d'avancer vos propos, avant de crier en commentaire, là, réfléchissez un peu. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous pensez que ma vie, ce sont les vidéos seulement? C'est parce que d'abord, un, j'aime la chose, et puis nous sommes actuellement dans une période très sensible. S'il n'y a pas des gens comme nous pour venir vous dire que celui-là, il ment, celui-là, il dit faux, celui-là, c'est un arnaqueur, celui-là, c'est comme ça, là. Les gens vont faire du n'importe quoi pendant les obsèques de Didier Arafat. Donc, respectez-nous un peu. Voilà. Juste pour ces obsèques-là, respectez-nous. Vous pensez que moi, dans ma position où je suis là, avec toute la couleur que je reste actuellement, je peux participer à une prétendue arnaque. Ne vous inquiétez pas. Regardez la vidéo seulement. Je vais aborder le sujet plus loin. Mais actuellement, il faut qu'on parle du dicton de Didier Arafat. Chers amis, admirateurs et fans de Didier Arafat, c'est bien beau de s'asseoir chez lui à la maison, insulter ce que vous voulez, critiquer ce que vous voulez, dénoncer ce que vous voulez, jusqu'à aller même insulter la mère de Latisse. C'est votre droit. Mais ce n'est pas ça un fanatique. Voilà, ce n'est pas ça un fanatique. Quand on se dit fan, 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 là, on agit. On est concret. Normalement, depuis que Didier Arafat est mort, ça fait plus d'une semaine maintenant. Si vous aimiez vraiment, 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 vraiment l'artiste, il y a longtemps, l'université nous avait appelé pour dire que Didier Arafat avait son disque d'or. Le disque d'or qu'il voulait, là. Et spontanément, même là. Quand vous savez que c'était l'un des désirs les plus ardents de votre artiste, ou bien de votre admirateur, et de votre idole, là, vous serez déjà parti sur toutes les plateformes acheter son album. Mais jusque-là, rien. Donc, apprenons à se respecter. Le 10 dollars pour la voix, c'est combien? Je fais un calcul simple. Sur Instagram, il avait plus de 1 million 600, 1 million 700 d'abonnés. Considérant qu'il y a 700 000 qui l'aiment pas, qui sont juste abonnés à sa page. Il y a 1 million de trucs de fans qui l'aiment. On prend Facebook, 2 millions et quelques. Considérant qu'il y a 1 million 300 même qui l'aiment pas. Il y a 1 million aussi qui sont là. Parce que vous ne savez pas, c'est pas parce que tu as Facebook que tu as forcément Instagram. Il y a des gens qui ont Instagram qui n'ont pas Facebook. Mais pourquoi le 10 dollars ne sort pas depuis? Le disque donc la disque foulée là, pourquoi il ne sort pas depuis? Au lieu de venir dire que les gens sont en train d'écrire de la narque autour sans réfléchir, sans avoir un esprit critique là. Expliquez-nous ça aussi. Pourquoi jusque là, là, avec toute la popularité que chose d'artiste avait là, son disque n'est pas encore sorti. Normalement là, après sa mort là, il devait avoir une démonstration de force. C'est pas crier, crier dans les rues, c'est pas crier, crier sur internet, c'est pas prendre, faire vidéo, c'est pas ouvrir sa bouche pour insulter même la maman ou bien je ne sais qui encore. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est bien pour les critiquer, mais il faut être concret. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus au bavardage. Vous devez vous respecter l'artiste, mais 10 dollars, il n'a pas encore eu. Normalement, c'est un 10 de platine, mais tu vas avoir, depuis qu'il est mort. Là. Nous autres, on a trop fait vidéo pour vous montrer comment acheter l'album. On a trop fait ça. Moi, perso, il est fait par A plus B, il est trop fait de vidéos. Vous êtes là, vous tout ce que vous savez faire là, c'est d'aller sur internet. Lui là, c'est un faux. Lui là, il veut voler Didier Arafat. Lui là, il veut manger sa tête de Didier Arafat.
Mais toi-même, tu fais quoi concrètement pour la TIS? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Bougez-vous et puis donnez-lui vite son dix d'or. Normalement, il devait avoir son dix d'or même avant qu'on l'enterre. Mais c'est dans nos bouilles seulement. C'est dans nos bouilles seulement. 5 000 francs, le CD. 5 000 francs, le CD. Si Internet ne sait pas, c'est combien? C'est ça. Vous ne pouvez pas vous mobiliser. Ça, il parle des fans seulement, il parle de tout le monde. Pour que le gars ait rapidement son dix d'or. Mais vous, tout ce que vous avez fait là, c'est critiquer et insulter. On n'a qu'à apprendre à se respecter, les amis. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Si Internet, là, il y a des gens qui sont venus chercher, non. Mais il y a des gens qui sont intègres. Ça a retenu ça. Il y a des gens qui sont intègres. On ne joue pas avec la dignité. On ne joue pas avec la fierté. Surtout quand il y a des choses, oh, ils ont raison. Donc le 10 d'Odidi Arafat, là, pensez à ça. Pensez à ça. C'est bien beau, toute cette mobilisation-là, c'est bien beau. Je vous en félicite. Parce que dans cette mobilisation-là, il y a les fans de Didier Arafat, il y a les ennemis de Didier Arafat, il y a les admirateurs de Didier Arafat, il y a tous ceux qui pensaient Didier Arafat. Et puis après toutes ces mobilisations-là, et puis après, avec toutes les économies qu'il a déjà fait, bien beau, oui, mais vous, votre soutien concret, là, c'est quoi? Encore, c'est dit la vérité? Arrêtez de bavarder. Arrêtez de parler pour ne rien dire. Soyons concrets. Soyons concrets. Parce que si c'était 10 dollars d'argent, on doit se réunir, coller notre argent pour aller payer les 10 dollars. On allait, c'est difficile. Mais de chez toi, là, tu peux te manifester, tu peux être concret. Tu n'as même pas besoin d'appeler quelqu'un. Dis t'as moi, tu achètes ton disque, ton CD ou bien ton album sur Internet. Bref. Maintenant, on va parler maintenant de la NAC, là. On va parler de la NAC. Hier, j'ai publié une créa, pour ne pas dire une image, dans ma communauté YouTube. Et puis, j'ai lu certains commentaires. Ça m'a choqué. Et malheureusement, sans vouloir vous insulter, mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous ne réfléchissaient pas beaucoup. Honnêtement, hein, vous m'avez vraiment, vraiment déçu. Les vidéos dans lesquelles l'artiste disait qu'il ne va pas faire SOS s'il fait des accidents, ou bien s'il meurt, il aurait épargné suffisamment pour qu'on puisse enterrer dignement. Là. On les a tous vus. On les connaît tous. Mais chez nous en Afrique ici, là, chez nous en Afrique ici, là, même quand tu es multimilliardaire, à tes obsèques, là, s'il y a quelqu'un qui t'apprécie, qui a 100 francs, il vient donner ça à la famille. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Ça ne veut pas dire que la famille a besoin de tes 100 francs pour enterrer les enfants. Je vous explique maintenant ce que vous appelez ANAC, là. C'est nous-mêmes, admirateurs, fans. En tout cas, ce sont des gens spontanément qui ont décidé de soutenir l'artiste. Soutenir l'artiste comment? Créer un fonds additif, si vous voulez, à toute l'économie qu'il a pu avoir pour ses enfants. C'est mauvais. C'est mauvais. Et comme vous ne réfléchissez pas beaucoup, comme l'artiste a dit que s'il meurt, il ne veut pas voir quelqu'un cotiser pour lui, ou bien il peut s'occuper tranquillement de ses enfants, bien s'enterrer dignement, donc on ne cotise pas pour lui. Donc il a qu'à s'enterrer lui seul alors. On réfléchit un peu avant de parler. On analyse un peu avant de parler, avant de dire des bêtises. Et ce qui me fait mal, ce ne sont pas les enfants. Quand je vous lis, ce ne sont pas les enfants qui écrivent. Ce sont les personnes responsables. Mais je n'arrive pas à comprendre un peu votre réflexion. De toute façon, vous réfléchissez là. Je n'arrive pas à comprendre. Que vous voulez salir la mémoire de Didier Arafat. Vous connaissez ce qu'on appelle salir la mémoire de Didier Arafat. C'est quand tu te caches derrière un argument pour ne pas soutenir l'artiste. C'est ça qu'on appelle salir la mémoire de l'artiste. Au lieu de faire semblant là. On ne vous a pas dit que Didier Arafat a besoin de notre argent. C'est nous, on m'a dit. C'est notre Yako à nous. Ou bien le site sur lequel vous avez depuis cotisé 59 000 seulement là. C'est le site de Eriton. C'est le site de je ne sais qui. C'est le site de l'artiste. C'est le site officiel et authentique de l'artiste. C'est pour anaquer. Si c'était une anaque là, moi il est sorti pour dire que c'est une anaque. Ne faites rien. Mais si j'ai publié, c'est parce que c'est quelque chose de crédible. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent participer. Ils ne savent pas comment ils vont faire. On met une organisation en place pour qu'ils puissent manifester leur soutien, leur yaku. Vous venez raconter que c'est de la NAC, c'est de la NAC, c'est de la NAC. Vous avez bien vu le comité d'organisation de l'entraînement de l'artiste, de l'association de l'artiste là. Est-ce que vous avez bien vu les gens? Est-ce que vous avez bien vu les noms? Personne n'a fait les dents. Les grands noms là même, c'est les grands décideurs qui sont là, ils connaissent beaucoup parmi eux. Personne n'a fait des dents. Personne n'attend vos 5 francs.
Donc avant d'avancer vos arguments à deux balles, là, réfléchissez un peu. Faut dire que toi-même, tu n'as pas envie d'enlever ton argent pour donner ça, comme Yako. Tu as venu dire que non, c'est parce qu'on veut arnaquer l'artiste. Quand les gens faisaient des t-shirts à l'effigie de l'artiste, les gens venaient faire des vidéos pour dire que jusque-là, aucun t-shirt n'est sorti. Donc dites aussi que le comité d'organisation qui va mettre les t-shirts en place pour recueillir des fonds pour ses enfants et trucs, la famille là, c'est de la naque aussi. Qu'est-ce que vous racontez même? Vous n'avez pas d'esprit critique quoi, vous ne réfléchissez pas un peu, vous analysez, vous n'essayez même pas d'analyser même avant de vous prononcer. On n'a qu'à se respecter. Hein. Voilà. Moi j'aime pas marcher dans la bêtise. Avant de poser un acte, il réfléchit beaucoup. C'est juste une manière de soutenir, d'apporter notre soutien à la famille et à ses enfants. Point. On t'a pas obligé à cotiser. Parce que toi-même, dans ton cœur, tu n'as pas envie de cotiser. Tu n'as pas envie de donner tes 5 francs. Faut dire ça clairement que dès qu'on a envie de saluer la mort de l'artiste. Donc, à l'anniversaire du truc de Oufoui, quand à la fin, lui a donné, je sais pas, 10 millions ou bien 1 million, là, c'est parce que Oufoui avait trop besoin de son argent. Vous réfléchissez quand même. Vous faites trop honte. Vous trouvez toujours des arguments pour vous dédouaner. Pour vous faufiler. Ayez un peu honte. Restez un peu digne. C'est le comité d'organisation qui a créé l'affiche et puis qui a balancé. C'est pas quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est une nanaque. C'est le comité d'organisation des obsèques là qui a fait ça. Arrêtez d'embêter un peu les gens. Vous savez qu'être critiqué. Après ça, vous savez faire quoi encore? On n'est pas obligé à cotiser. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent participer, qui veulent aider, ne vous gênez pas. Les enfants vont recevoir l'argent, ça là. La famille va recevoir l'argent, ça là. C'est une organisation très bien structurée et crédible. Voilà. C'est pas pour un funéraire seulement. Il a construit mon château, bien, je vais construire chose, oh, truc, oh, un immeuble. Respectez un peu les gens qui prennent un peu de leur temps pour organiser le sac de votre artiste ou bien de votre idole. J'espère que j'ai été clair. L'affiche que j'ai publiée dans ma communauté YouTube, là, c'est pas une arnaque. C'est spontané. Voilà, c'est certains fans qui ont du cœur, qui ont jugé bon de participer aussi. Voilà, ça ne veut pas dire que l'artiste n'a pas l'argent, que l'artiste n'a pas l'économie. Donc, si tu as envie de participer, tu as envie d'aider, d'envoyer ton soutien là, va sur le site internet de l'artiste ou bien si tu as des parents ici qui ont Orange Money ou bien MTN Money, ils n'ont qu'à faire les trucs, ils n'ont qu'à déposer quelque chose. Ils n'ont pas besoin de ça, mais c'est juste un yako. On appelle ça yako. Je vous laisse.